Les heures de ramassage des ordures avaient été indiquées lors du lancement de l'opération « La restauration de l'ordre urbain » le 17 janvier dernier. Suite aux instructions des très hautes autorités de la République gabonaise, la mairie de Libreville et Clean Africa se déploient dans le cadre du nouveau schéma directeur de la collecte des ordures ménagères dans le 3e arrondissement après l'étape du 6e arrondissement. De ce que je viens de voir sur le parcours que je viens de faire, me laisse à penser que petit à petit les choses évoluent et que nous sommes sur la bonne voie. Mais c'est surtout parce que je voulais justement essayer de soutenir l'action de Clean Africa dans cette campagne de sensibilisation du nouveau schéma directeur de collecte des ordures ménagères. Et donc il faut absolument que les compatriotes, eux à leur tour, mettent également la main à la pâte, de manière à ce que finalement nous ayons une ville que nous souhaitons, c'est-à-dire propre et conviviale. Au vu du nouveau matériel attribué le 5 août dernier à la mairie de Libreville par le président de la République, Brice Clotaire-Oligingema, pour renforcer les capacités de cette entité, la collecte se fait grâce à ces nouveaux camions. Le mardi, le jeudi et le samedi, nous appelons la population à sortir leurs ordures comme le programme le recommande, à partir de 18h. Ça fait une semaine que nous avons commencé dans le 2e et 3e arrondissement. Je dis bravo à la population qui sortait de chez eux pour déposer leurs déchets dans nos camions d'ordures ménagères. La population gabonaise est alors sollicitée pour respecter les horaires définis à 18h pour déposer leurs ordures. Ainsi, en contribuant chacun à la propreté et l'assainissement de la ville.